Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ici je pose où? Ouais. Il manque quelque chose. Ouais. Ok. Parfait. Quoi d'autre? Oh, du vin. Ouais, du vin. Un vin doux, juste au milieu. Le repas impeccable. Le vin, ouais. Que vais-je prendre maintenant? Tim 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 tim. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Bien. Oh, Krika. J'ai besoin de ton aide, d'accord? J'aimerais que tu me donnes ton aide. Mais ça, je comprends pas ce que vous dites. C'est à moi de vous aider ou alors c'est à vous de m'aider. Écoute, je ne suis pas là pour tes stupides blagues. Je suis sérieux. Je suis désolé, monsieur. C'est clair? Oui, monsieur. Ce que je voudrais que tu fasses pour moi n'est pas grand-chose, pas compliqué. Je voudrais juste savoir où je peux trouver, tu sais, un repas fait maison, dans le quartier. Quelque chose de délicieux. Monsieur, monsieur, ne me dites pas ça. Ne m'aime pas. Écoutez, en laissant savoir entrer dans votre bouche, votre ventre va se mettre à... Oh, Krika, tu veux arrêter? Tu veux m'aider ou pas? Ok, monsieur, je vais vous aider. Le seul endroit où vous pouvez trouver ce genre de nourriture, c'est dans le quartier, c'est chez... la cuisine de Gloria. Elle cuisine très bien. La cuisine de Gloria? Oui, monsieur. Et c'est où exactement? Bonsoir. Oui, s'il vous plaît, je suis bien chez Gloria Cuisine. Oui, vous êtes chez la cuisine de Gloria. La cuisine de Gloria? Oui, la cuisine. Ok, je suis là pour acheter à manger. D'accord. Ok, que voulez-vous, monsieur? Et vous avez quoi au menu? Ah, nous proposons beaucoup de choses. Ça dépend de ce que vous voulez. Nous avons du riz, du semoule, de l'égoussi, du gombo, l'ora, le bonon. Du riz sauté et de la salade. Oh, vraiment? Oui, monsieur. Je vais acheter... la sauce oua. Laura, oui. Nous en avons, bien sûr. Oui. Je le mets là. Mettez-la. D'accord. Vous le vendez à combien? Monsieur, ça dépend. Ça dépend de vous. Monsieur, l'assiette que son aïra. Et les boules de couscous sont 5, vous dites? Oui, 5. Thank you.
Tu es la bienvenue une fois de plus. Ouais. Waouh! Tu as fait tout ça, Collins? Oui, j'ai fait ceci spécialement pour toi. Juste pour toi. Ah. Waouh! On y va. Ça sent tellement bon, tu sais. Ça, tu peux le dire, bébé. Et je vais utiliser le couvert parce que je ne peux pas utiliser mes doigts. Je n'ai pas envie de les salir. Tu comprends? Très bien, bébé. Pas de problème. Je te comprends. Tes désirs sont des ordres. Je peux le redire encore. Ouais, bébé. Bien. Très bien. Allons-y. Tu peux la rincer pour moi, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Je le fais tout de suite. Et voilà. Merci. Waouh. Ça a vraiment bien patiente, bon. Pas vrai? Ouais, allez, vas-y. À présent, je sais comment te noter. Juste avec les arômes. C'est bon? Attends. Ça te plaît? Bébé, ce repas est délicieux. Tu ne m'avais pas dit que tu es un cordon bleu. Merci. Bébé, écoute, je fais de mon mieux, tu sais, pour faire un peu de tout. Ouais. Je suis content que ça te plaise. Je l'adore. Je connais mon homme. Merci. Oh, ça c'est... savoureux. Je vais oublier que je suivais ma ligne parce que je vais me régaler avec ce plat. Tu sais. Bébé, tu t'es bien régalé, pas vrai? Oh, ça c'est le meilleur repas que j'ai reçu d'un homme. Vraiment? Bébé, tu es le meilleur. Oh, mon Dieu. Merci, merci. Je veux dire, tout ça, c'est grâce à ma grande sœur, parce que, tu sais, elle m'a appris à cuisiner. Elle a bien fait. La dernière fois que j'ai mangé un repas aussi somptueux et délicieux, c'était au Glitter Fashion Fair. Bébé, c'était une nuit extraordinaire. Bébé, tu aurais dû voir les plus grands couturiers. Des couturiers venant d'ailleurs, des grandes célébrités, avec leur création. Tout était juste scintillant, tout était beau, c'était glamour. Leurs chaussures, leurs habits, leurs cheveux, leurs parfums. Bébé, ouais, bébé. Fais-moi confiance, j'étais également au top, comme toujours. Et là, j'ai rencontré ma copine Thelma, une psychopathe. Je vais te choquer avec ce qu'elle a fait. Dis-moi. Elle a décroché le meilleur des contrats, pas les contrats de bas gamme, un contrat international avec les hauts designers, juste parce qu'elle souriait aux hommes. Oh, une vraiment? Psychopathe. Une vraie folle. Bébé, oui, j'ai failli oublier. Je joue un jeu. Un jeu? Hein? Je viens juste de recevoir... de nouveaux chapitres. De nouveaux chapitres? Ok. Ouais. D'accord. Allons-y, toi. Allons-y. Sur le champ. Ouais. Oh. Non, je vais m'occuper de ça, ok? Sans souci. Très bien, bébé. Après toi. Mathieu. Sœur. Pourquoi tu fais cette tête? Est-ce qu'il y a à manger? Dis-moi d'abord pourquoi tu fais cette tête avant que je ne te donne à manger. Rien de grave. C'est juste que le soleil et la pluie ont beaucoup menacé mon business ces derniers temps.
Sœurette, je n'arrive à rien faire. J'ai vraiment besoin d'une aide financière pour recouvrir mon établissement. Et de combien as-tu besoin pour le recouvrir? J'ai demandé à l'un de mes amis charpentiers et il m'a dit que les dépenses feront environ 125 000 naira pour construire quelque chose. Où allons-nous trouver une telle somme d'argent? Mathieu? Où allons-nous trouver une telle somme d'argent? C'est beaucoup trop. Sœurette, je ne peux pas continuer de travailler sous la pluie tout le temps. J'ai perdu l'appétit. Mange ça pendant que je réfléchis. Okrika. Oui, monsieur. Ouvre le portail. Voyons. Depuis quand monsieur va au travail avec une gamelle? Hein? Est-ce qu'il achète la nourriture ou alors est-ce qu'il en livre? Ok. Bientôt va commencer à sortir avec des marmites. Salut. Dave. Quoi de neuf, frère? Je vais bien. Et toi? Collins. Dis-moi, mais depuis quand est-ce que tu manges au bureau? Mec. Qu'est-ce qu'il est arrivé au bon restaurant dans le coin? Tu sais, on dit que les bonnes choses ne durent jamais. De quoi tu parles? Mec, j'ai acheté cette bouffe chez une vendeuse locale. Et la vie de ma mère... Cette bouffe est tellement succulente. Ce plat, je crois qu'on l'a fait au paradis. Collins, tout va bien? Bien sûr que je vais bien. Attends, t'es tombé aussi beau au point où tu manges de la bouffe locale. Voyons, tu ne peux pas manger ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu appelles ça la bouffe locale? Ok. Dave, je voudrais que tu goûtes à cette nourriture. Tu veux vraiment que je mange de la nourriture faite par une vendeuse de la rue? Essaie. Je devrais? Oui, juste une bouchée. T'as l'air sérieux, là? Essaie. Je sais de quoi je parle. Ça fait une fois. Tu as besoin d'une deuxième. Tu vois de quoi je parle? C'est bon. C'est bon? Et là, ça fait trois. Ok. Tu veux une quatrième? Mec. Mais où as-tu trouvé une bouffe aussi délicieuse? Oh. Dis-moi d'où ça vient. Ok. Ça fait quatre. Tu veux prendre une cinquième, mon ami? Remets-moi ma nourriture. Qu'est-ce que tu sais? Regardez-moi celui-là. T'as faim? Ah! Mais rends-moi ma bouffe. Dave. C'est délicieux. Très délicieux. Ce gars est dérangé. Régale-toi. Régale-toi.
Je vais te montrer le coin. Hein? Salut. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, Gloria. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Je vais bien, et toi? Je vais bien, monsieur. Et les affaires? Tout se passe bien, comme vous pouvez le voir. Oui. Oui, monsieur. Je vois. ma chère, s'il te plaît, viens, viens. Oui, monsieur. Il y a quelque chose que je voudrais te demander. D'accord, monsieur, qu'est-ce que c'est? Voilà, je voudrais savoir si tu peux préparer une marmite de sauce. Pour moi, je payerai. Monsieur, ce n'est pas un problème, je peux le faire, je vais le faire. Oh, tu peux le faire? Oui, oui. Oh, c'est super, super. D'accord, alors, combien coûterait une marmite de sauce gombo? De sauce gombo? Mm-hmm. La viande, la grande marmite. Le gombo, 600. Condiments, 150. Les épices, 200. Le cube, disons 6 à 7 000 naira, monsieur. 70? Non, 6 à 7 000 naira. Oh, 7 000, tu veux dire? Non, 6 000 naira. Mais vu le prix des choses, parfois ça augmente au marché. Donc mettez 1 000 naira en plus pour le pétrole. Ok. Oui, monsieur. Ok, donc 6 000 pour oui, la sauce et 1 000 naira pour le pétrole et les autres imprévus. Hein? Oui, monsieur. Pour une marmite entière? Une marmite de sauce. Ok. Bien. Combien de marmites de sauce? Juste une marmite de sauce gombo. Monsieur, ça c'est beaucoup trop. J'ai dit 6 à 7 000 naira. Non, ce n'est pas un problème. Tu peux utiliser ça. Et aussi, sers-toi de celui-là pour acheter du pétrole. Tu as dit avoir besoin d'argent pour le pétrole. Ah. Et quand pourrais-je avoir ma sauce, ma marmite de sauce? Monsieur, ce soir. Ce soir? Oui, monsieur. D'accord. Mais monsieur, reprenez ceci, c'est beaucoup trop d'argent. Non, non, non. C'est à toi. Ok? Une dernière chose. Tata Glo-Glo, Tata Glo-Glo, ma tata adorée. S'il te plaît, ma chère. Monsieur. Donnez-moi votre numéro. D'accord, monsieur. Ok. Comme ça, je vous appellerai. Voilà mon numéro. Les choses vont changer. Monsieur, envoyez-moi un bip pour que j'enregistre le vôtre. Je t'appellerai, c'est sûr. Ok. Très bien. À ce soir. D'accord, monsieur. D'accord. Monsieur, faites attention à la rigole. Monsieur, je pourrais laver votre voiture. Ne fais pas ça, parce que ce n'est pas nécessaire. Mange, mange, reste tranquille. De quoi je me mêle? C'est ta voiture? Occupe-toi de tes affaires. Ton look est magnifique. Merci. Mmh. Ok. Wow! Meuf, t'es sexy! Merci. Oh mon Dieu! Colin, t'es chanceux de t'avoir. Fais-moi confiance, chérie, il est privilégié. Dieu sait que... Si je mets comme Colin, c'est fini. Je dis c'est fini. C'est fini avec les homos. Pourquoi? Comment ça? Mais le charme, voyons. Ah, ah. Elle est étouffée de charme. Non. Utilisez le charme pour en finir avec lui. S'il te Honora, plaît. Quoi? Honora, quoi? Dis-moi, pourquoi le charmer? Hein? Pourquoi le charmer? Pour ma part, j'aime quand c'est naturel. Exact. Naturel. Doux et naturel. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je dois aller voir mon bébé. Plein de bisous pour Collins. Ça va rester dans mon sac, tu le sais, n'est-ce pas? Ok, les filles. À quoi ai-je l'air? T'as une bombe, ma chérie. Sérieusement. Ok. Les filles, à plus tard. Naturel, okay. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez juste? Que je laisse mon mec à ses filles. Oh. Les filles, je vais. Je suis sérieuse, les filles. Je dois l'envoûter pour le garder. Dis-lui avant que je ne rentre. Adore, passez doucement avec ta chose. À plus tard, les filles. Passez doucement. Bye. Prends l'exemple sur elle. Allez doucement. Laissez ces filles. Venez prendre mon gars. Non, tu n'as pas confiance en moi. Doucement.
Attends un peu, crois Ranky. Tu n'as pas quand. Crois Ranky. Pardon, laisse-moi ça. Vous m'étonnez, franchement. Mais non, vous m'étonnez. Attends un peu, je vais te dire. De nos jours, il ne suffit pas d'être belle, d'être jolie, okay. Ni de surcharger le make-up sur la face. Ma sœur, si tu n'as pas ce qu'on appelle le charme, c'est fini. Tu vois ces filles de la rue, elles ne rient pas. Tu n'es pas sérieuse, Alora. Tu rigoles pas. Tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Écoutez-la. Bon après-midi, madame. Et bienvenue. Bébé, tu es là? Bien sûr, je suis là. Tu manges? Exact. Attends, qui était la sale fille que je venais de voir? Oh, Gloria, ce n'est personne, c'est juste une fille quelconque. Et c'est toi qui as fait ce repas? Oui, bébé, c'est moi. Tu aimes? J'ignorais que tu savais cuisiner. Je suis un cordon bleu, voyons. Vraiment? Je cuisine très bien. C'est chouette. Ouais, ça te plaît? J'adore. Viens là, vilaine fille. Alors, dis-moi. Je t'ai manqué? Oui, tu m'as manqué. Et moi alors? Salut. Viens me donner un jet de rein. Oh. Oui, Dave. Oui, mon vieux, je suis confus. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais que penser non plus. Laura est mon genre de fille. Et je l'aime beaucoup, mais elle n'est pas une compagne. C'est une femme de mode. Et Debbie? Debbie, c'est tout autre chose. Elle est cool. Mais il y a une chose avec elle, c'est... C'est une bête au lit. Quoi? Je veux dire, cette fille veut cogner à chaque minute, à chaque instant. Chaque matin, à midi, le soir, j'en ai plus que marre. Oh mon Dieu. Non mais... C'est franchement drôle. Oui, c'est vrai. C'est bien ce que tu voulais. T'amuser. Alors pourquoi te plains-tu? Mon frère, à un moment, ces choses deviennent fatigantes. C'est très fatigant. Ouais, imagine. Pas si loin qu'hier. Et une fille qui s'appelle Eve m'a rencontrée. Et nous avons un rencard ce soir. Collins. Oui? Dis-moi, Collins. Que veux-tu exactement? La beauté? Le fun? De la compagnie? L'amitié? L'amour, lequel? Frangin, je veux tout. Mais je ne le trouve pas. Oui, tu me connais, je suis à l'aise, je vis bien. Mes voitures, j'ai de l'argent. Mec, je suis un homme qui a réussi, je suis très à l'aise. J'ai assez pour vivre bien toute ma vie. Sans doute. Mais il y a un truc qui manque. J'ai besoin d'une compagne. J'ai besoin d'une amie. J'ai besoin d'une femme avec qui je vais partager
Mes secrets. Quelqu'un à qui je demanderai conseil. Quelqu'un qui sera là pour moi. Et je n'ai pas encore trouvé cette personne. Eh bien, si tu veux mon avis, mon pote, je te suggère d'y aller pas à pas. Tu sais, trouver une partenaire de vie est difficile, des fois. J'essaye. J'essaye de toutes mes forces. J'essaye d'appeler chat. Ouais. De toute façon, assez de toi, mec. Assez parlé de toi. Tiens, la vendeuse de nourriture dont tu m'as parlé... La vendeuse locale? Dave, qu'est-ce que tu dis? Oui. Dave, tu veux dire que je t'amène là-bas? J'adore sa nourriture. Tu veux aller là-bas? Oui. C'est une blague. J'adore sa nourriture. Tu mets pas, allez, toi. Allez, amène-moi là-bas, s'il te plaît. Ok, d'accord, je vais t'y emmener. Voilà l'endroit. Collins, tout va bien? C'est là-bas que je mange souvent. Ah, c'est exactement ici que j'ai acheté cette nourriture que tu as mangée au bureau au point de refuser de me rendre mon thermos. Quoi? Pour de vrai? Pour de vrai, mec, pour de vrai. Sa cuisine est exceptionnelle. Bien. Je me demande comment les gens arrivent à manger dans un tel endroit. Je pense qu'il serait sage pour toi de te passer de cette cuisine. Oui, je veux dire que c'est très bas pour ton statut. La nourriture vient juste de finir. Hey. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, comment ça va? Eh bien, monsieur, désolé, la nourriture est finie. Vraiment désolé. Je ne suis pas là pour acheter à manger. En fait, je suis là pour te demander quelque chose. Oh, ok, pas de souci. Qu'est-ce que c'est, monsieur? S'il te plaît, de combien as-tu besoin pour améliorer cet endroit? Vous dites... Genre, combien as-tu besoin pour améliorer cet endroit, c'est-à-dire le rendre plus convivial? Monsieur, environ 80 000 lira pour m'aider à améliorer cet endroit. 80 000 lira? Oui, monsieur, 80 000 lira. Hein? Que pourrait faire 80 000 lira? Monsieur, vous me demandez ce que je ferai avec 80 000 naira. Ha! 80 000 naira feront un tas de trucs pour moi, monsieur. J'utiliserai cet argent pour acheter plus de viande, acheter plus de farine, plus de gari, plus d'akpo. Vous savez, pour varier en fonction des clients. En plus de cela, monsieur, cela me permettra d'acheter plus d'huile de palme parce que j'achète souvent en petite quantité. Et là, je pourrai en acheter en grande quantité comme un bidon. En grande quantité? Oui, oui. L'huile de palme est vraiment chère, monsieur. Alors, tu as dit 80 000? Oui, oui, 80 000 naira. Monsieur, désolé si je vous ai offensé. Prends ça. Prends-le. J'ai là 200 000 naira. D'accord, tu l'utilises et tu améliores ta boutique. Tu achètes plus de marchandises et, tu vois, rends cet endroit plus convivial, s'il te plaît. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? 200 000. Quoi? Ce n'est que 200 000. 200 000 naira. Mon Dieu. Merci, monsieur.
Non, 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 c'est bon, pas besoin de me remercier. Arrête, non, 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 arrête, s'il te plaît. Si n'est pas ça, tu me mets dans l'embarras. Hein, je t'en prie. Seigneur, merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. C'est juste une aide, tu sais. Non, 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 lève-toi. Tu vas arrêter, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est bon, ça va, j'ai accepté, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Lève-toi, lève-toi. Merci, monsieur. Monsieur, 200 000 lire. Oh, Seigneur, merci, monsieur. J'espère que ce sera suffisant pour tout arranger. Monsieur, c'est plus qu'assez. Bien. Hey. Monsieur. Monsieur, merci. On se dit à plus tard, monsieur. Ok. Oui, bye. Monsieur. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, oh. Ah. Bébé, mon cœur, mon amour, ma vanille, mon sucre d'orge. Viens là, bébé. Viens, laisse-moi t'amener au 7e ciel. Oh, c'est la seule chose que tu sais faire. Quand je te demande des choses, tu refuses. Je veux changer ma garde-robe, je veux m'acheter de nouveaux vêtements, des sacs. C'est ce que je veux. Est-ce trop te demander? Tu veux changer ta garde-robe? Oui. Mais je crois que tu étais faire du shopping le mois dernier. Le mois dernier? Oui. Je suis une fashion star, pour l'amour du ciel. Ne me demande pas de remettre tes vêtements. Je dois les changer. La semaine de la mode arrive, s'il te plaît. Ah. Tu pars du mois dernier. Alors, parce que tu veux changer ta garde-robe, c'est pour ça que tu me prives de mon droit? Oui. D'accord, bébé. Ne t'en fais pas, d'accord? Je vais le faire. Attends, attends. En es-tu sûr? Est-ce que je... Oui, je le ferai. Allez. Rassure-moi juste que tu n'es pas en train de plaisanter, que tu me titilles. Voyons, je suis sérieux, ce n'est pas une blague. Ok, je suis sérieux. Ok. Bébé, attends. Bébé, attends. Attends. Bébé. J'ai juste besoin de 500 000 naira. J'ai réalisé que les 300 000 naira que tu m'as donnés ne sont pas suffisants. Alors fais un supplus de 200 000 naira pour que ça fasse 500 000 naira. Juste 500 000 naira. Attends, attends, attends. Pas si vite. Pas si vite. C'est de 500 000 naira. Un demi-million? Que tu appelles juste? Oui, c'est juste 500 000. Je ne parle pas de 500 millions ou 500 milliards. Juste 500 000. Ne fais pas comme si ça avait l'air d'une grosse demande. Tu es au-dessus de ça, s'il te plaît. Ah! Juste pour du shopping? Oui! Tu penses que je vais acheter toute la boutique? Je vais juste prendre une ou deux choses et l'argent sera terminé. Juste deux choses? Ouais, bien sûr. Bébé, voyons! 500 000 n'est pas une grosse somme, c'est juste 500 000 naira. Des mecs amènent leurs copines faire du shopping et dépensent des millions, et moi je suis là à supplier. Ok, ok, bien, bien. Je vais te donner cet argent. Tu veux me donner? Oh bébé, merci. Ok bébé, peut-on maintenant? Viens là, c'est bon.
Voilà le garage de mon frère. Mm-hmm. Il est venu chez moi se plaindre que sa machine était gâtée et qu'il n'a pas vraiment un bon endroit comme un toit. Donc, je lui ai demandé combien ça ferait. Il m'a dit 125 000 naira. C'est ainsi que j'ai préféré lui donner cet argent. Alors, voilà la machine qu'il a achetée là-bas. Et voilà la toiture. Il a utilisé cet argent pour faire ça afin d'éviter le soleil. Ok. C'est d'accord, t'inquiète. Tu aurais dû me le dire. Pas de souci. Autre chose, j'aimerais parler à ton frère. Ok. Ce n'est pas un problème. Allons-y. Attends, laisse-moi me stationner. Something more than gold. I got something more than gold. Something more than gold. I got something more than gold. Ah, Gloria. Bienvenue, monsieur, bienvenue. Tu fais la cuisine? Oui, monsieur. Je suis sur le point de sortir avec un ami. Quand tu auras fini, s'il te plaît, remets la clé à mon gardien au Krika. D'accord. Très bien, monsieur. Merci. À plus tard. More than gold. I've got something more than gold. Tell it to the world. Jesus is more than gold. Bébé. Bébé. Oh, et ce mec. Ouf. Ça sent bon. Oh. Oh. Bon après-midi. N'es-tu pas la fille que j'ai vue l'autre jour? Je m'appelle Gloria. Qui diable es-tu? Je ne t'ai pas demandé ton nom. Je suis l'amie de... Quelle amie? Avant que je n'ouvre ni ferme mes yeux, sors de ma cuisine! Dehors! Tu t'imagines? Je m'appelle... Krika! Oh, Krika! Ou Ankara! Peu importe comment on t'appelle, tu vois cette fille qui vient de partir? Si jamais je la vois encore dans cette concession, sache que tu es virée. Que se passe-t-il? Regardez-moi celle-là! Elle veut renvoyer quelqu'un! Elle veut renvoyer quelqu'un qu'elle n'emploie pas! Hein? Elle mange comme une pastèque fermentée. Hein? Oh, Krika, tu vas s'achever. Si jamais elle revient ici, je vais te renvoyer. Pas de problème. Pas de problème. Tu vois ce pain que j'ai acheté, tu me donneras la sauce pour manger avec. Tu es là, tu n'arrives pas à cuisiner sur ton homme, et quand une autre femme le fait, tu fais des problèmes. Je sais pas ce que tu fous là. Je sais vraiment pas. Tu viens carrément la foutre à la porte. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai posé Tu ne dis rien de raisonnable. Tu ne dis rien de raisonnable. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai posé une simple question. Qui est-elle? Et je te dis qu'elle est... qu'elle n'est pas une menace. Ok? Je ne sais pas pourquoi tu te stresses pour absolument rien. Elle n'est pas une menace. Alors maintenant tu prétends qu'elle n'est pas une menace. Maintenant tu dis qu'elle n'est plus une menace, c'est ça? Écoute, je trouverai qui elle est. Et que Dieu lui vienne en aide. Que Dieu lui vienne en aide, si elle est ce que je crois. Tu sais quoi, Davy? Je suis claqué là, ok? Tu me saoules, j'en ai marre. J'ai besoin d'une pause. Qu'est-ce que c'est? Hein? Alors je ne peux pas avoir la paix de... Collins! Oh, ça veut dire... Collins! Collins! Maintenant, tu me tournes le dos. Ok, tu reviendras me trouver ici. Gloria, bon après-midi. Bon après-midi, s'il te plaît. Je suis désolé pour ce qui s'est passé chez moi. Je suis désolé.
Je suis vraiment désolé. Monsieur, vous n'avez pas à vous excuser. Hein? Il n'y a aucune femme avec tous ses sens qui n'aurait pas réagi comme elle l'a fait. Elle a raison. Quoi? Ma femme? Qu'est-ce que c'est? Oh. Elle n'est pas ma femme. Je ne suis pas mariée. Alors, c'est la raison pour laquelle Collins agit bizarrement dernièrement. Je vois. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Ok. Vous dites qu'elle n'est pas votre femme? Non, c'est pas ma femme. C'est juste une simple petite amie. Hey! Alors, elle m'a giflé. Une simple petite amie m'a giflé. C'est bon, il n'y a pas de problème. Désolé, je suis désolé, monsieur. Je suis vraiment désolé pour ça. Hein? Je suis désolé. S'il te plaît, reviens à la maison et finis de faire la cuisine. Debbie ne cuisine pour moi que sur condition. Debbie, c'est ça son nom? Ouais, Debbie. Ok, monsieur. Mais je suis désolée, je ne peux pas revenir chez vous. Tu as dit quoi? Désolée, monsieur, je n'ai rien dit. J'ai juste dit que je ne peux pas revenir chez vous. S'il te plaît, je t'en supplie, je suis désolée. Et la nourriture? Je veux dire, viens juste finir ce que tu as commencé. S'il te plaît. Oh. Ma puce, ça va? J'ai finalement trouvé ma part. Je suis tellement heureuse. Hey! Enfin! Enfin! Je l'ai eu! Finalement! J'ai enfin trouvé le mien. Le mien. J'ai finalement trouvé ma part. Enfin, je suis heureuse. Oh, je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse. Ah, que se passe-t-il ici? Je ne sais pas. Elle n'a rien dit. Moi. Debbie Okonkwo. Une fille me vole mon mec. Quoi? Tu dis? Attends, qu'est-ce que t'as dit? Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Attends, je veux comprendre quelque chose. Tu dis qu'une simple fille a volé ton mec. Pourquoi? Comment? Je ne te comprends pas. C'est Collins qui fait ses conneries. Debbie, parle-nous. Que s'est-il passé? C'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a causé tout ça? Bêtise ça, regarde-moi ça. Attends. N'importe quoi. Je vais balancer ça de l'autre côté. On doit tout casser. Faut qu'on détruise tout ici. N'importe quoi. Que cet endroit soit méconnaissable. C'est quoi ça? N'importe quoi. C'est quoi ça? Allez, va. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez, putain! Dégage d'ici! Dégage d'ici! Allez! Idiote! Casse-moi tout ça, ma puce. Allez, bouscule, bouscule. Attends. N'importe quoi. Faudrait qu'on détruise tout ça avant de partir. On doit casser tout ça. Allez, pousse cette table. Nous allons tout casser. On doit tout casser. Elle va comprendre qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui. N'importe quoi. Idiote.
Allons-y, les filles. Les filles, c'est bon, il faut qu'on s'en aille. Venez, venez qu'on y aille. Allez, c'est bon, c'est bon. Une idiote. Attends. Elle va comprendre. C'est bon, c'est bon. Venez, c'est bon. Venez, qu'on s'en aille. N'importe quoi. Stupide. Venez. N'importe quoi. Idiote. Sombre idiote. Qui diable es-tu? Je devrais vous demander cela. Nathan, réponds au lieu de bavarder. Es-tu malade? Es-tu malade? C'est à moi que... Tu es malade? Tu as vu leur visage? Je les ai filmés avec mon téléphone. Tu les as filmés avec le téléphone? Tata. Qui est-ce qui m'a fait ça? Madame, je les ai filmés. Qui est-ce qui m'a fait ça? Tu les connais? Sœurette, tu les connais? Mais dis quelque chose. Oui. Mais Sœurette, parle, tu les connais? Lâchez-moi! Tu ne sais pas idiote. De quoi je suis capable! Hein? Je reviendrai pour toi! Monsieur, tu ne bats pas un homme qui ne t'aime pas! Laisse-moi donner une leçon à cette idiote! Hein? Estime-toi, je regardez là! Tu n'es pas briseuse de mec! Idiote! Cette gâte elle est affreuse! C'est quoi ton problème? Regardez cette pute! Lâche-moi! Animal! Peux-tu imaginer? Est-ce que tu vas bien? C'est bon. Ça va aller. Madame, écoutez, laissez-moi vous dire. Ce que vous venez de faire n'est pas bien. La femme que vous venez de vous battre est aussi la copine de monsieur. Hein? Oui, donc vous devez le partager. Hey!
L'une aujourd'hui et l'autre demain, c'est simple. J'aurais tout vu sur cette terre. Donc tu savais que Collis me trompait et tu ne m'as rien dit. Vous n'avez rien demandé, pas du tout. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé. Il fallait demander. Et tu refuses de me le dire. Madame, 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 madame. Madame, ça suffit. C'est qui ça? Tu as osé venir détruire ma marchandise. Tu as osé. Lâche-moi. Voilà. Je vais vous battre aujourd'hui. Okwika, viens. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu marches comme ça? Monsieur le catch. Quoi? Monsieur, il y a eu un match de catch ici. Regarde ton visage. Oui. Tu t'es battu avec quelqu'un? Monsieur, je me suis battu avec personne. Ce sont les gens qui sont venus me battre. Je n'ai rien fait. Hein? Des gens? Monsieur. Sont rentrés chez moi te combattre? Oui, monsieur. Monsieur, c'est Debbie, hein, et Gloria, et Olora. Elles se sont battues. Elles se sont battues comme goum, comme goum. Je voulais les séparer. Je voulais pas rester différent. Je voulais les séparer, mais elles m'ont battu. Je n'ai rien fait. Attends, attends. Tu veux dire que Laura, Gloria et Debbie... Oui. Et étaient ici aujourd'hui? Oui, monsieur. Elles se sont battues chez moi? Monsieur. Comment est-ce possible? Monsieur, je sais pas. Je sais pas. Et elles t'ont fait ça? Oui, c'est elles qui m'ont fait ça. Mes hanches, mes pieds. Aïe. Très bien. Okwika, c'est bon, d'accord? Je suis désolé pour ça. On va arranger ça. D'accord, monsieur. Merci. Monsieur, monsieur, arrangez ça! Arrangez ça! Arrangez ça! Que cela ait un effet sur mon compte! Augmentez mon salaire! C'est pas le seul cash que je suis venu faire ici! Ou alors assurer la sécurité! Et ce soit s'ouvrir et fermer le portail! Monsieur, arrangez ça! Arrangez ça, monsieur! Arrangez! Qui diable était cette fille? Elle vous frappait comme des folleuses! Oh, les filles, cette gamine, elle m'a joué comme le ballon. Elle m'a joué comme un ballon. Hé hey. Je me soucie moins de cette grosse cruche que j'ai vue dans la maison de Collins. Le gros problème, c'est cette vendeuse de nourriture. Cette fille est dangereuse. Cette fille m'a bousillée. Cette meuf m'a presque tuée. Hey, moi! Cette fille m'a presque aveuglée. Elle va me le payer cher. Je le jure. Oh, mon Dieu. Hey! Tu m'as amené chez cette gamine. Tu m'as amené chez cette gamine pour qu'elle me joue comme un ballon. Qu'est-ce qui dérange celle-là? Regarde-moi cette idiote. Hey. Je suis là pour toi et je suis là pour elle. Et tu t'es laissé battre comme une petite fille dans tous les sens. Faites preuve de maturité, s'il vous plaît. Elle va le regretter. Nous allons mener cette guerre. Non, toi, écoute-moi, Laura. Écoute-moi. Combien de fois je t'ai demandé de ne pas venir chez moi sans ma permission? Combien de fois? C'est ce que tu trouves à dire. Maintenant, je vois ton jeu. Peu importe ce que tu planifies, garde juste au coin de ta tête que cela ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Hein? Écoute, si je me souviens bien, nous ne sommes pas mariés et nous n'avons aucun lien de sang. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu me déranges? Mais tu es lié à ma partie intime, n'est-ce pas? Si tu essayes de me mettre hors jeu avec tes stupides paroles pour faire entrer une autre femme, c'est voué à l'échec. Parce que personne ne viendra prendre mes 3 années de sacrifice. Allô? Allô? Allô?
Laura ! Elle a raccroché. Que je te vois encore chez moi sans ma permission. Que je te vois encore dans ma maison sans ma permission. Espèce d'idiote. N'importe quoi. Elle vient chez moi foutre le bordel. Gloria, j'ignorais que tu étais si violente. Pourquoi t'es-tu battue contre ma copine? Okeka, mon gardien, m'a raconté tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils vous ont aussi parlé de ça? De quoi? Quoi? Qui a fait ça? Votre soi-disant petite amie, début, peu importe comment elle s'appelle. Je vais lui donner une bonne leçon dans cette ville qu'elle n'osera plus jamais s'en prendre aux gens. Regardez ce qu'elle a fait à ma boutique. Regardez. Qu'est-ce que tu veux? Que signifie la scène que tu as créée chez moi aujourd'hui? Collins, donc tu as le cran de venir chez moi pour me raconter ces bêtises. Tu t'entends parler? Tu me trompes et tu as l'audace de me balancer ça en plein visage? Laura n'est qu'une amie. Au moins tu aurais dû me demander qui elle est. De même que j'aurais pu demander qu'elle est la vendeuse de nourriture, pas vrai? D'accord, Collins. J'en ai assez de ton jeu. Je suis trop vieille pour ça. Écoute, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Et je n'aime pas ça. Ok. Hey, monsieur l'amoureux. Aucune femme ne prendra ma place dans ta vie. J'étais là avant elle. Et je t'ai donné 4 années de ma vie. Mets-toi cela dans la tête. On your body, on your body, love me. Salut. Désolée, un instant. Bon après, s'il vous plaît, je suis à la recherche d'une maison de couleur blanche. Vous avez une idée si jamais il y en a une maison blanche, maison blanche. Je vais peut-être... Grande sœur. Attends, c'est la fille. Vous dites que vous ne maîtrisez pas ce côté. Grande sœur, est-ce que tu... Est-ce que tu sais si bien y a sûr, une maison... c'est elle. Mais quelle fille? Toi là, sors de là, sors de là. Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est toi, qu'est-ce qui t'a pris? Donc c'était toi. C'est bien fait. Arrive à se tresser. Reculez! Dégagez d'ici! Vous allez voir, je vais vous refaire le portrait. Viens par ici! Viens par ici! Attends-moi! Je vais vous montrer, vous allez voir. Ouvrez! Je vous avais dit de ne pas vous amuser avec moi. Je vous avais averti. Je t'avais averti. Je t'avais averti. Ça t'apprendra. Ça t'apprendra d'en prendre personne que tu ne connais pas. Tu verras. Ça t'apprendra à détruire les choses des gens. Ça suffit comme ça. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Je suis malade. Tu viens t'en prendre à moi. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? Ça suffit. Est-ce qu'on se connaît? Tu viens t'en prendre à moi. Est-ce qu'on se connaît? Tu verras. À
Après ça, tu ne feras plus jamais une bêtise pareille. Après ça, tu verras, tu ne vas plus jamais t'en prendre aux gens que tu ne connais pas. Tu verras. C'est la dernière fois que tu fais ce genre de choses, tu peux me croire. Cette fille est folle, je te jure. Qu'est-ce qu'elle est faute? Qu'est-ce qu'elle est faute? Ouvrez cette porte! Ouvrez cette porte, sinon je vais la défoncer! Ouvrez cette porte! Je vous jure que si vous ne l'ouvrez pas, je vais la défoncer! Vous voulez me dire que cette petite villageoise nous a dépassés toutes les trois? Hey, je vous l'avais dit, cette fille n'est pas une femme. Elle est aussi violente qu'un homme. Regardez-nous. Ah, ces coups de poing. Ces coups de poing. Ah, cette fille est forte. Ces coups de poing peuvent t'envoyer directement à la morgue. Aïe, quelle énergie. Ah, non. Elle est partie, Debbie. April, je ne veux pas aller là-bas. S'il te plaît, vérifie si elle n'est plus là. April, vérifie vite. Elle n'est plus là. Elle n'est plus vraiment. Hé, hey, Dieu merci, comme elle est partie. Elle est partie. Laura, s'il te plaît, où est ton deuxième téléphone? Parce que j'ignore vraiment où j'ai mis le mien. S'il te plaît, appelle Gawel. Je dois vraiment faire quelque chose à cette fille. Faut qu'on trouve une solution. Faut qu'on trouve une solution. Madame, vous aviez l'air préoccupée au téléphone. Donc j'ai dû me dépêcher pour revenir ici. Dawel, j'aimerais que tu donnes une très bonne leçon à quelqu'un. Pour qu'elle apprenne à se respecter la prochaine fois. Essayez-vous de me dire que c'est quelqu'un qui vous a fait tout ça? Genre, quelqu'un vous a frappé de la sorte? Non. Je dois voir cette personne. Où est cette... Madame, amenez-moi voir cette personne tout de suite. Je dois en finir avec elle aujourd'hui. Mais c'est quoi tout ce bordel? Allons-y. Laisse-moi prendre les clés de ma voiture. Ok. Dépêchez-vous. Je dois... C'est quoi ce bordel? Où est-elle? Venez me la montrer. C'est quoi ces bêtises? Tu t'imagines? Elle est là. Donne-lui la clé. Qui? Donne-lui la clé. Gloria? Qu'est-ce que tu attends? Avant qu'elle me donne une leçon, c'est ça? Qu'elle me donne une leçon? Qu'elle me donne une leçon, Gloria? Mais je pensais que tu avais compris quand je te parlais tout à l'heure. Qu'elle me donne une leçon? J'allais prendre du renfort pour me donner une leçon, c'est ça? Tu t'es pourtant averti tout à l'heure de rester loin de moi. Et toi, tu es venu me donner une leçon, c'est ça? Madame. Désolé. Comme ça, tu n'es qu'un paresseux, espèce d'idiot. Pauvre con, dont tous ces muscles ne sont que du plastique. Vous auriez dû me dire qu'il s'agissait de Gloria. Cette fille est une chienne enragée. Cette fille pourrait vous battre à mort. Vous ne la connaissez pas bien. Et qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, laissez-moi vous dire. Ça fait juste 3 mois que nous avons arrêté nos 6 années de guerre. 6 longues années de bataille. Cette fille s'en fiche pas mal. Elle vous combat n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Vous pouvez la frapper sans tu sais foi. Quoi, elle tu... ne cessera je, pas de juste... combattre. Arrête. Épargne-moi tes explications. Remets-moi tout mon argent, c'est-à-dire tout mon argent, c'est clair? Ne vous en faites pas, madame. Je vais vous rendre tout votre argent. Vous voulez faire la guerre à Gloria? Gloria, vous ne la connaissez pas. Si j'étais à votre place, je laisserais tomber cette guerre. Parce que cette fille va vous tuer. Désolé encore. Est-ce que ça fait mal? Désolé. J'ignorais que c'était Gloria. Debbie,
On ne peut pas continuer à vivre dans la peur. À cause de cette stupide fille de la rue. C'est vraiment fou. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Je ne peux même pas sortir de cette maison. Elle a pris mes clés de voiture et mes téléphones. D'accord. Puisque tu dis, l'avoir vu chez Collins l'autre jour. Tu sais, j'ai réfléchi. Je pense que Collins la connaît. Peut-être que tu devrais parler à Collins. Tu sais, pour qu'ils se parlent entre eux, je ne sais pas. Bienvenue, monsieur. Au clicard, comment tu vas? Monsieur, je ne vais pas bien. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, les ennuis vous attendent, à l'intérieur. De gros ennuis vous attendent. Ah, je vous jure. Attends, que veux-tu dire par... Des ennuis m'attendent, de quoi tu parles? Monsieur, écoutez, j'aurais essayé, hein? J'ai essayé de les séparer. Mais elles ont voulu me tuer. Écoutez, monsieur, je n'ai pas venu mourir avant mon temps, à cause d'un job de vigile. Je ne comprends pas, de quoi tu parles? Que se passe-t-il dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Mais ça serait prudent! Hein? Je me suis trompé de maison ou quoi? Crois que c'est diamant! Crois que c'est diamant! Tu penses que je suis ton égal? Idiote! Idiote! Tu vas te battre pour un homme qui ne veut pas de toi! Toi! Regarde-moi celle-ci! Regarde-moi celle-ci! Idiote! Regarde-moi cette connasse! Espèce de diamant! Regarde-moi cette sale diamant! Tu... Moi! Pourquoi est-ce que tu te bats pour un homme qui ne t'aime même pas? Pour mon charge! Il m'aime, nous sommes ensemble depuis 4 ans. Tu crois que c'est de la blague? 4 ans, tu es comme ça, ma peau? Oui. Je sais que tu es mon fils, salope. Tu ne peux pas être moi. Ah, mon Dieu, tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Hey! Bébé, c'est elle. Tu as vu ce que tu as causé? Elle se fout pas mal de toi. Tu as vu ce que tu as causé? Pétasse, il n'a pas ton temps. Il n'en a rien à faire de toi. Je suis trop classe pour ça. Est-ce que toi, tu comprends de ça? La classe. De la classe. Tu es une fille derrière de la classe. Je n'aime même pas ton corps. Thank you.
Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Bon après-midi. Ce n'est pas la voiture des débiles, hein? Oui, c'est la sienne. Jusqu'à ce qu'elle me rembourse l'argent que j'ai utilisé pour réparer ma table. Elle n'aura pas cette voiture. N'importe quoi. tu veux dire que tu lui as vraiment confisqué les clés? Hein? Elle a même amené un homme appelé Darwell que j'ai battu auparavant. Elle l'a amené ici. Mais tant mieux pour lui, il s'est souvenu de la raclée que je lui avais donnée. Sinon, je lui aurais brisé les dents. C'est intéressant. Attends, dis-moi. Es-tu également une tapeuse d'homme? Monsieur, oubliez. Oubliez tout ça, j'ai fini de faire manger. Que voulez-vous manger? Il y a du épa et du riz. Je n'ai pas faim. En fait, je suis venu pour te demander de sortir avec moi. Je veux juste me détendre, rigoler et être heureux. Vous voulez que je laisse toute ma marchandise pour venir avec vous? Allez, s'il te plaît, allons-y, c'est juste pour prendre un verre, elle peut gérer ça. J'aimerais juste qu'on aille un peu se marrer. S'il te plaît. D'accord, s'il te plaît, gère la boutique, j'arrive, ok? C'est ça. Ce n'était pas leur problème. Ce n'était pas leur problème. Ils ont fait comme si c'était le leur. Tu es très drôle. Je vous assure. Je me suis demandé pourquoi tout le monde m'observe comme ça. Ils ont commencé Gloria. Arrête, Gloria, ferme ta gueule. C'est ainsi que j'ai arrêté de parler parce que je ne savais pas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. T'es sérieuse? C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ce gars est venu m'attaquer, je me suis mise comme ça. J'ai dit, viens. Viens. Allez, viens. Toi? Allez, je vous assure, le gars était choqué. Mes yeux lançaient les éclairs. Ne riez pas, je suis très sérieuse, je vous assure. Tu es sérieuse? Sérieuse, je vous assure. Je veux dire, j'aurais aimé te voir en train de faire toutes ces choses de dingue. Hey, reste là, monsieur. Ferme la porte. Oui, monsieur. Ferme la porte. Oui, monsieur. Bébé. Hey, hey, hey. Bébé, c'est moi. Bébé, c'est moi. S'il te plaît. Bébé. Aïe. Bébé. Bébé de moi. Bébé. Allez, c'est dehors. Allez, prends le corps. Oui. Je vais bien. Comment tu vas? Ouais, je sais que tu vas bien. Rien de sérieux, je suis là. Je pense à toi. Oui, j'ai passé une longue journée.
Mais le fait d'entendre ta voix en ce moment me remonte un peu. Vraiment? Ok, dis-moi. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu aimes? T'aimes le shawarma? La glace? Ok, je vois ça. Rien, je ne dis pas. Chérie, s'il te plaît, vérifie qui est à la porte. D'accord, tu attends quelqu'un? Non, pas vraiment. Encore toi? Bébé? Bébé? Hmm? Qui c'était? C'était... Akirika. Oh, Akirika? Oui, il est venu chercher sa nourriture. Ce gars est fou. Ok, tout va bien? Oui, je vais bien. Je suis juste étourdie. Désolé. Le repas est prêt? Ok. Hey, est-ce que ça va? Allez, vas-y, assieds-toi, c'est bon. Voilà, je vous ai dit de pas y aller, mais vous m'avez pas écouté. Regardez ce qui vous est arrivé. N'y allez pas, vous avez refusé. Presque tué. S'il te plaît, aide-moi à trouver un taxi, s'il te plaît. J'ai mal. Que je vous aide à trouver un taxi? Oui. Un taxi de vélo ou de brosse. Lequel des deux? Trouve-moi juste un taxi, s'il te plaît. Madame, votre temps est écoulé. Votre temps est écoulé. Allez, maintenant sortez. Écoutez, ne m'obligez pas à vous faire plus de mal. Madame, sortez. Aïe! Avancez. Tout le temps, ok, allez, maintenant sortez. Je vais vous frapper davantage si vous ne sortez pas. Regardez cette idiote. S'il te plaît, trouve-moi un taxi. Hein? Tu pensais comme à l'époque tu passais des autres? Oh Kika. Idiote! Je t'avais pourtant prévenu. C'est sur la dedans. C'est sur la dedans. C'est très bon. Alors tu aimes? Tu as déjà la réponse à celle-là. Tu es la meilleure cuisinière du monde. J'adore. C'est juste la nourriture. Pourquoi
cette question. Désolé, c'est mon frère. Allô? C'est vrai. Où es-tu? Il y a des gens qui détruisent ta boutique. Qui sont encore ces gens? Je suis sûre que ce sont ces filles. Je vais en finir avec elles. J'arrive tout de suite. Hé! Hey, t'en fais pas. Ils travaillent pour moi. Que veux-tu dire par ils travaillent pour toi? Tu vois... Tu es ma future compagne. Et j'estime qu'il n'est pas convenable pour toi de vendre la nourriture au bord de la rue. Ta future compagne, qu'est-ce que tu racontes? Veux-tu m'épouser? Je suis tellement incomplet sans toi. Je suis incapable de penser ni faire quoi que ce soit sans toi. Tu illumines mon monde. Tu apportes la paix dans mon esprit. Et c'est ce que je veux. Je t'en prie, dis-moi juste oui. Ouf. Et tu feras de moi l'homme le plus heureux de la terre. Ouf. Oui. Oui. Ouais.